Salut à tous, alors mini session de pêche aujourd'hui où bon, c'est pas énorme ce que j'ai fait, mais ce que je voulais vous dire c'est que je vous remercie de vous être abonné, de regarder mes vidéos. J'avais 2 abonnés au mois de janvier, là j'en ai 233 exactement, donc c'est hyper cool, ça me pousse à continuer à vous faire découvrir des coins de pêche. Et comme je disais dans les commentaires, c'est vrai que des fois dévoiler les coins de pêche, des gens ils me disent c'est pas toujours très très cool, mais vous voyez les coins de pêche il y en a partout. Là ça va être que ma 8e vidéo, donc souvent les coins de pêche ça mord pas, c'est un petit peu aléatoire, donc faut pas m'en vouloir par rapport à ça. Moi mon but au niveau de ma chaîne c'est vraiment permettre aux débutants dont je fais partie de trouver des coins réglementaires. Ça, je suis la réglementation à fond avec la carte de pêche et tout ça, et surtout trouver des parkings où on peut se garer facilement, parce que ça c'est pas toujours évident. Par exemple je vois la Fédération Française de Pêche en 87 donne les lieux souvent en photo. Je trouve que le fait de le mettre en vidéo ça donne un plus, donc voilà l'idée de ma chaîne. Et éclatez-vous bien, c'est à dire que je veux pas remplacer les fins pêcheurs et les profs de pêche, parce que je suis pas à ce niveau là moi, c'est simplement pour me faire plaisir que je fais ça. Les techniques de pêche, vous voyez, je débute, donc je cherche, donc ce qui fait que j'espère que j'aurai pas à l'avenir de commentaires un petit peu désobligeants par rapport à cette chaîne, parce que franchement c'est fait, elle est faite pour être bon enfant. Voilà, merci en tout cas, il y en a beaucoup qui m'encouragent aussi. Merci et à très vite. Dans l'arbre. De fond, donc je vais mettre un petit leurre en imitation de pêche, un fat vibe. J'espère que je vais pas m'accrocher, ça va bien. Ça va être un bouchon, il est pas enfoncé, tout va bien, ou tout va bien, ça dépend comment on le prend. Parce que il va vite s'enfoncer. Il va plus loin.
Ah oui, quand même. Quand même, quand même. J'ai intérêt à mouliner un peu plus vite. J'étais parti pour changer de point de pêche. En fait, je pense que c'est le même point de pêche. J'ai pas fait la même stratégie. Accroche. Allez, dernier lancé. Je change de leurre. Ok. Crazy Frog. Ah ouais, imitation perche. Je vais me poser aussi. Allez. On va voir ce qui se passe avec ça. J'en avais pris un dans une de mes vidéos là sur Laurence. Avec ça. Alors, par contre, quand la graffe est un peu grosse, c'est compliqué. Passer là. Ah, je me pique. Eh bien, c'est pas gagné. Hein. Putain, c'est pas vrai. Voilà, tout va bien, reste calme. Allez. Ouais, j'ai pas prévu ça. Ouais, c'est bon. Allez, action. Action. Le bouchon, il est toujours là. Ça bouge pas. Ok.
petit brochet, ça me ferait plaisir. Je vais lancer sur un autre angle là. C'est un peu plus par là-bas. Ouah ! Allez, voilà. La connerie qu'on fait. Il faut vite ramener dans ces cas-là pour que ça s'accroche pas. J'en fais des boulettes hein. J'aurais pu appeler la chaîne Boulette Boulette Pêche 87. Comment éviter les boulettes? Bon, ça va être calme. Change monkey, you tag me. Change monkey, tag me. Change monkey, you tag me. Change monkey, tag me. Oh là là, elle était harponnée là. J'ai pas vu partir la touche. C'est le premier poisson que je pêche ici. Voilà. C'est des perches qui sont dans les parages. Alors j'ai un gros hameçon, j'ai pas d'autres hameçons. Voilà, belle petite perche. Parfait. Allez, remise à l'eau. Le barrage de la mule. Tac. Ouvert. Ah. Ça y est. Allez, c'est parti pour de la pêche pas au ralenti mais plutôt en accéléré, et on est au barrage du Pas de la Mule exactement. Donc ben, j'ai rien pêché non plus là-bas ce jour-là, donc je voulais passer assez rapidement. Et tu vas voir quand... Oh là, voilà, c'est parti, on revient à la voiture et on passe dans les arbres exactement. J'ai pas trouvé de champignons malheureusement là ce jour-là, donc toi ma pêche était maigre, mais bon, au moins j'ai pêché un poisson, j'étais plutôt assez content, même si j'ai eu quand même encore un petit peu de bol. Mais bon, ça c'est peut-être ma marque de fabrique, ma force de pêcher, mais évidemment des fois on fait des bredouilles et des fois on a du bol. Allez, c'est parti pour un autre coin de pêche exactement sur le barrage du Pas de la Mule ici. Donc à la fin de la vidéo, tu vois mon deuxième lieu de pêche où je tourne très rapidement là en time lapse là. Moi j'ai pêché ici là à cet endroit et aussi par ici là, voilà. Donc là c'est bordé de d'arbres, donc je vais diminuer un petit peu, voilà, l'écran, je vais rétrécir pour montrer le tennis club du Palais ici, où j'ai travaillé il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'est un très bon club de tennis, et je me suis garé par ici. Donc sur ma vidéo, quand je repars là, je pars d'ici, je monte là à peu près là au niveau du champ, je passe là à pied ici et j'arrive là, voilà, sur ce parking. J'espère que cette vidéo va te permettre d'avoir un bon coin de pêche. Et si je peux te conseiller une petite chose, c'est d'aller voir par ici, il y a la Sablière, il y a une petite plage. Bah ici, là, tout est pêchable, assez facile d'accès. J'ai pêché jusque là. Il n'y a pas beaucoup de fond, ça accroche un peu, mais c'est quand même jouable. Et après, bah, je vais aller un petit peu plus loin, j'irai explorer un petit peu plus loin. Allez, salut, amuse-toi bien et à bientôt.